peuple. Voici un autre épisode de notre série policière. Tu prends à gauche sur la 42e. Oui, je sais. T'es bien sûr que le type se trouve dans ce bar? Ça m'a été signalé. Ah bon? Il y a 4 mois que je cherche à l'épingler, mais je t'assure que si je réussis à coincer l'homme, je le fous dans les WC et je tire la chasse. C'est donc pour ça qu'on appelle ça une chasse à l'homme. Bon, j'ai encore accroché le trottoir. Ces voitures américaines sont vraiment trop longues. Mais tu peux le dire, n'est-ce pas, Jacques? Ouais. Et l'allume-cigare qui fonctionne pas. Jacques, tu veux bien me refiler l'allume-cigare de la banquette arrière? Tout de suite. Et quelle heure il est, là? Allô, courrier express? Il est 2h20. Et on descend tous les trois à 2h30. Merci. Jacques, t'as quelle heure sur ta montre? 1h20. Bon, impossible, Jacques a une heure de décalage avec nous. Ah, cette putain de voiture américaine. 12 degrés à gauche. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un magnum muni d'un ordinateur. Cible centrée. Ne tenez pas votre arme de cette façon. Mais c'est écrit le contraire sur la notice, regardez. Tenez votre arme de cette façon. Voyez. Non, vous ne comprenez pas. Ouais. Pas comme ça, vous êtes con! Mais ils disent le contraire sur la notice, regardez. Comme ça, vous êtes pas con. Vous voyez? Bon, attendez, voir. Qu'est-ce que vous faites là? Je cherche la page où ils disent que je ne vais pas vous casser la gueule. Mais faut pas se fâcher là. Déposez ce truc! À 45%. Mais enfin, pourquoi? Parce que vous savez pas vous en servir. Mais bien sûr, regardez, elle dit même la température. Le plus récent succès de Body Root, oui. Ça, c'est le palmarès. Oh, c'est le bouton qui est juste à côté. On y est, nous descendons. Entendu. Faut se manier, allez! Sergent et Jacques! Jacques, vous passez devant, vous prenez le volant et vous nous attendez! Allez hop. Il faut que je vous prévienne, sergent. Quoi? Le portier de ce bar n'est pas amoureux de la police. Ah bon? Messieurs? Oui, on vient pour voir quelqu'un. Vous êtes de la police? Oui. Écoutez, je vous trouve super, vous êtes sympa et tout, c'est pas le problème. D'accord, je suis déjà au courant. Je ne sais pas si je suis prêt à m'engager dans une relation. Ça va, mon pote m'a dit que vous n'étiez pas amoureux. Allez, viens. Vous êtes pas fâchés? Tous des salauds. Mais non. Allez, passez au vestiaire, s'il vous plaît. Non, on passe pas au vestiaire. Le vestiaire est obligatoire. Écoute, j'ai des ecchymoses tellement je m'en branle. Le vestiaire est au bout du couloir, s'il vous plaît. Eh ben, faudrait se décider, il est au bout du couloir ou il est obligatoire? Faut passer au vestiaire, s'il vous plaît. Je vais te montrer, moi, qui va passer au vestiaire. Oui, monsieur. C'est combien le vestiaire, s'il vous plaît? Ça fait 20 francs. Tenez. Merci. Attendez, je vais mettre mes dents dans cette poche-là. Faut se dépêcher, sergent. Oui, allons-y. Je le vois, il est là-bas. Salut, toi. Mais qu'est-ce que vous voulez? Alors, tu me reconnais, pourriture? Je sais pas de quoi vous voulez parler. Ah non? Alors, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on vous chante? Allez, foutez le camp. Tu veux que je te foute ta bouteille dans le cul? Va alors, chier. Voici une chanson pour monsieur là-bas. Tu peux rien faire contre moi, t'as même pas de mandat. Ta gueule, ils vont chanter ma chanson. Tu veux que je te foute ta bouteille dans le cul?